Est-ce que ce n'est pas honteux tout le temps que le Togolais chante à chaque élection qu'on nous a triché? Est-ce que ce n'est pas honteux? C'est très honteux, moi je trouve. Si on ne veut pas qu'on soit triché, commençons, nous Togolais, par devenir des gens honnêtes. Et quand on est honnête, personne ne peut nous tricher. Parce que quand on est honnête, quand on vient nous acheter, nous allons dire non. Non, non à la corruption. C'est ça. C'est ça, une personne honnête. Et nos aïeux étaient comme ça. Ils disaient non. Et pourquoi est-ce que nous, nous allons vendre le pays? Pourquoi est-ce qu'avec 1000 francs, avec 10 000 francs, on dit on va avec le voleur, on va avec celui qui peut nous corrompre? Pourquoi? Parce que nous, Togolais, nous sommes faibles. Arrêtons. Arrêtons cette faiblesse et changeons. Il est très important que le Togolais change et que le Togolais comprenne aujourd'hui que notre avenir, l'avenir de nos enfants est en jeu. L'avenir de nos enfants est en jeu. Est-ce que nous voulons voir des enfants vivre les mêmes conditions que nous? Voulons-nous voir des enfants vivre les mêmes conditions que nous? Dans ce cas, changeons. Devenons des gens honnêtes. Pour que le Togo devienne un pays vrai, devenons des gens vrais, pour que quiconque compte sur nous, qu'on ne bouffe pas l'argent de qui que ce soit, qu'on laisse les entrepreneurs togolais qui peuvent développer le Togo, mettre leurs sous et que nous, qui sommes sur place, nous essayons, nous fassions le maximum pour que leur argent soit fructifié en travaillant dur. Devenons des gens vrais. Ne soyons plus des gens corrompus qui passent par tous les moyens à avoir d'argent alors qu'on ne veut pas travailler. Que le Togolais sache que c'est le Togo qui bâtit le travail, qui bâtit un pays. Ce n'est pas la paresse. Travaillons, travaillons, travaillons. Nos ancêtres ont travaillé pour construire le Togo. Nous aussi travaillons pour laisser un Togo vrai pour nos enfants.